Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Choix FMX. Bon, je suis une fois de plus dans le Nord, mais cette fois en Belgique, à Mété exactement, pour le Superbiker de Mété. Je vais rouler avec mes potes Benjamin Béchir et David Rinaldo. David m'a invité il y a quelques semaines pour cette épreuve. C'est une des plus grosses épreuves de Belgique. Non, c'est la plus grosse épreuve de Belgique et c'est une des plus grosses épreuves d'Europe de Supermoto. Donc ça va être une super journée. Là, on est à l'hôtel, on va aller prendre le petit-déj et ensuite on va se rendre sur le spot. Passer 10 heures hier dans le camion pour venir jusqu'ici. Bien fatigué, mais ça va être une super journée. Allez, c'est parti. Allez, tiens, je te la donne. Allez. Voilà, je suis avec Kim, hein, donc il y a tout le monde qui va nous mater là. Le famous. C'est comme ça qu'on se déplace. Exactement. Pour les 72 heures de Mété. Bon, allez, Jim, tu nous montres comment on saute là ou quoi? Tu leur montres un peu? Là, en mode grosse croube là sur le dos. Un scroob, et là tu fais un double. Bon, ça y est, c'est l'heure. Bon, pas eu d'entraînement, direct entraînement chaud. Et l'événement français de Morlaix, c'est un breton. Il est ici à 30 ans, il fait finish depuis 2013. Il fait des shows en Israël, en Ukraine, il vient de faire un an pour le Cirque du Soleil à Vegas sur des motos électriques. Il a 2500 shows à son actif. Il découvre la Belgique pour la première fois. Sylvain Masson. Ça a été? Ouais. Ça vous a plu? Ouais. Si tu arrives. Alors, oh là. Surtout franc, pire de neuf. Ouais, crevé. Ouais, ça tirait super bien. Voilà, c'était le premier show de la journée. Ouverture, show direct. Trop bien, le public est super cool. Voilà, premier show fait. Franchement, un public super chaleureux, super enthousiaste. C'était vraiment cool, la journée s'annonce super top. Même retrouver des abonnés en Belgique, c'est impressionnant. Donc maintenant on va aller voir un peu les courses et on met ça ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon, deuxième show, j'ai mis le micro dans le casque, je sais pas ce que ça va donner. Avec l'Alta ça faisait beaucoup de bruit, on va voir. Peut-être avec la moto thermique ça fera un peu moins comme il y a le bruit de la moteur. Bon, on a une demi-heure devant nous, entre l'ouverture, l'échauffement. Là on fait un petit tour de reconnaissance et on doit faire l'ouverture de la soirée. Bon bah on est parti pour faire le tour de la piste de Supermoto. Énorme. Je pense que les gars étaient contents d'arrêter parce que là toute la piste il y a le soleil dans les yeux. Non, on va dire, il vient du... On l'encourage, Sylvain Masson. Bon bah c'est parti direct hein. Ça fait partie.
Bon, la rampe elle kick pas trop ça. Je préfère pour les turns, on va faire un petit. Eh, hey, tu flippes ou quoi? Fais comme tu veux. Vas-y, je te suis en flip. Ah, pas de wheeling avec les nouvelles bottes, qu'avec la vitesse, mais gérer le frein arrière avec les bottes, j'arrive pas. Voilà, départ. Première fois que je finis un show comme ça, première fois à tout. Super chaleureux le public belge, trop trop cool. Ah, c'est trop trop beau. Tout le public sur la piste de départ avec nous, waouh. Franchement, vous êtes au top, mettez, merci beaucoup. Vous êtes bientôt 10 000 sur la chaîne, c'est juste un truc de dingue. Pour certaines chaînes, 10 000, c'est rien du tout, mais pour moi, j'imagine 10 000 personnes derrière vos écrans à suivre mes aventures et c'est juste un truc de dingue. Donc, grâce à certains sponsors, on va mettre en place des jeux concours et ça se passera sur mon Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, vous trouverez le lien de mon Instagram dans la description et il y aura mon maillot à gagner, il y aura un kit entretien, il y aura des lunettes de soleil, des vêtements. Donc, tout ça, ça se passera sur Instagram une fois qu'on aura passé les 10 000. Et sinon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un nouveau show. C'est cool que les shows reprennent. J'espère que 2022 va être rempli de shows. Et maintenant, je vous laisse sur une compilation des figures de la journée. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! I love if you feel...